Bonsoir à toutes et tous, bienvenue, on est en direct sur Web Girondin pendant une heure au moins pour le talk dédié aux Girondins de Bordeaux. Je suis ravi de vous retrouver et j'accueille tout de suite monsieur Florian Sabatier qui est avec nous. Salut Flo. Salut Nico, salut à toutes et tous. Comment ça va? Bah écoute, ça va très bien là, on a profité des quelques petits premiers jours de déconfinement pour aller débroussailler tout ça là, parce qu'il y avait beaucoup de matière. Parfait, et on accueille monsieur Jonathan D'Agostino. Salut Jonathan. Salut, bonsoir à tous. Bon, comment ça va Joe depuis lundi soir? Moi ça va, d'autres un peu moins apparemment. Il y en a qui ont pris cher cette semaine. Ouais, c'est mouvementé, on va en parler. J'accueille Nelio Da Silva, salut Nelio. Salut Nico, salut à tous. Comment tu vas toi aussi, la forme? Ouais, ça va, mouvementé, comme le disait Joe, mouvementé. Et une nouvelle tête dans ce talk, vous avez vu que depuis que la Ligue 1 est arrêtée, on essaye d'accueillir de nouvelles personnes, c'est monsieur Marcine Jablonski. Salut Marcine, ça va? Bonsoir Nico, ça va? Bien. Merci. Oui. Bon, Marcine, je précise, tu es supporter des Girondins et tu es polonais et tu habites en Écosse à Édimbourg. Tout à fait. Et je gère Girondin Polska pour les fans polonais des Girondins de Bordeaux. Voilà, le compte Twitter, faudra le mettre sur le chat d'ailleurs, le compte Twitter que tu gères, parce que des supporters des Girondins en Pologne, il ne doit pas y en avoir beaucoup, je ne sais pas. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, tu vas nous éclairer là-dessus. Je salue tout le monde sur le chat, Loïc, Arnaud, Charlie, Jean-Christophe, Gino Forte qu'on aura au téléphone tout à l'heure, Julien, François, Frédéric Cise et tout le monde. Merci à vous d'être nombreux, ça fait vraiment plaisir de vous retrouver. Je vous donne le sommaire de cette émission. On va démarrer avec, on va encore parler l'affaire des transferts. Alors, on va parler du transfert de Thibaut Kidjé. On va recevoir l'agent qui a porté l'affaire à la FIFA. On l'aura au téléphone en direct du Togo dans 3-4 minutes maximum. Ensuite, on parlera des leaks des ultramarines, des révélations faites par RMC, quelles conséquences elles peuvent avoir sur le club. Donc on débattra ensemble. Je sais que j'ai reçu un message de Cédric hier, un très long message, j'essaierai de vous en dire un mot parce qu'il ne pouvait pas être avec nous, c'est un supporter des Girondins. Et enfin on parlera avec toi Marcine de ta passion des supporters depuis la Pologne. Quoi, alors depuis la Pologne non, depuis l'Écosse, et tu nous expliqueras comment tu vis ça et comment t'es venue cette passion des Girondins. Avec plaisir. Voilà. Bon, messieurs, déjà, Flo, comment t'as vécu ces derniers jours? Ah bah écoute, on va dire que depuis mardi, là, c'était assez mouvementé, parce que moi j'ai eu l'opportunité de discuter avec certains confrères par rapport au scud qu'on a un petit peu reçu, je crois que c'était mardi, hein, par rapport aux journalistes et notamment à Sud-Ouest. Écoute, c'est pas mal. Je remarque un président qui s'appelle Frédéric Longuepé arrive à bien travestir la réalité des choses. Donc c'est bien, on verra jusqu'où ça mènera toutes ces histoires-là, c'est vrai que c'est pas mal de mentir sur beaucoup de choses et puis voilà, et puis je suis un peu tombé un peu dénu sur ce que j'ai appris un peu ce matin aussi par rapport, bon je pense comme tout le monde, hein, ouais, par rapport à ces fameuses histoires de chômage partiel, etc. Donc voilà, est-ce que les têtes vont tomber, j'ai des doutes dans l'immédiat, mais écoute, c'est bien que les choses arrivent au compte-goutte. On attend demain aussi pour voir, peut-être qu'on aura encore quelque chose de plus incroyable que ce qu'on a appris ces derniers jours. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite avec le premier thème. Ça concerne le transfert de Thibaut Kidjé qui a signé aux Girondins en début d'année. Alors, ce qui va suivre, ce qu'il faut quand même préciser, c'est pas du tout à charge sur le club. D'ailleurs, Souleymane Cissé, la société Sportback, s'ils le souhaitent, peuvent intervenir quand ils veulent sur notre antenne pour répondre. Nous allons donner la parole à un homme. Nous allons l'avoir dans quelques secondes avec nous. Cet homme, c'est l'agent qui était l'agent de Thibaut Kidjé et qui a amené cette affaire au devant de la scène. Vous l'avez vu sur le site Girondin Forever, vous l'avez vu dans d'autres médias, ça a été cité tout au long de la semaine. Il a les documents de tout ce qu'il avance, il a les conversations, et on va regarder ensemble, on va lui demander pourquoi cette affaire a été portée devant la FIFA. Donc c'est monsieur Kwaku Mavulia Vorga de la société MMMIG qu'on accueille tout de suite
Bonsoir et bienvenue, Kwaku. Bonsoir, monsieur Nicolas. Comment vous allez, monsieur Nicolas? Eh bien, ça va très bien. Et vous? Ça va très bien, merci. Donc, merci d'être avec nous. Vous êtes actuellement au Togo. Donc, vous étiez l'agent de Thibaut Clidjé. Évidemment. Voilà, donc c'est pour ça que vous êtes avec nous. Déjà, je vais vous poser une première question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez signalé à la FIFA ce transfert de Thibaut Clidjé au Girondins de Bordeaux? Ok, merci beaucoup, monsieur Nicolas. Vous savez, monsieur Nicolas, permettez-moi de vous informer que tous les acteurs du football, à savoir les clubs, les joueurs, les entraîneurs, les agents ou les arbitres, nous sommes tous soumis au code disciplinaire de la FIFA, au respect des statuts et du règlement de la FIFA, l'instance mondiale, l'instance fêtière du football. Et dans la situation actuelle, concernant la manière dont opèrent les dirigeants des Girondins de Bordeaux, ou bien concernant la manière dont les dirigeants bordelais ont opéré avec nous, ici il s'agit là clairement d'un cas de transfert relais, une pratique, je dis bien une pratique illégale, qui a pour objectif, selon la FIFA, de contourner le règlement ou la loi applicable, ou soit d'escroquer toute personne ou entité. Ça, c'est selon la FIFA qui l'a dit dans ses récents statuts, règlements de statut. Et vous voyez ici, on peut dire que l'entité contournée et escroquée, c'est le club togolais de Gomido. Et la personne contournée et escroquée, c'est moi, l'agent du joueur Clidjé Thibaut, moi, Mauli Kwaku Avorga. Pour cette raison, nous avions jugé mieux d'écrire à la FIFA. D'accord, très bien. Donc, je vais essayer d'expliquer aux gens qui nous écoutent comment ça s'est passé. À quel moment, donc, vous étiez l'agent de Thibaut Clidjé, ce jeune joueur togolais qui a signé à Bordeaux en début d'année 2020. Vous étiez son agent depuis 2018. Quand avez-vous rencontré la première fois Souleymane Cissé? Souleymane Cissé, je l'ai rencontré, Souleymane Cissé, c'était en novembre 2018. Et il était venu au Togo dans le cadre d'un tournoi de détection qu'ils avaient organisé. Moi, je ne le connaissais pas, c'était à travers un ami qui est un coach et un DT d'une académie de football au Togo. Donc c'est lui qui avait organisé la rencontre avec Souleymane Cissé. Ils avaient organisé le tournoi, ils m'ont appelé au téléphone que comme ils sont là, ils sont venus de France, ça serait bien que Clidjé Thibaut y participe. Et moi, je leur ai répondu, je suis désolé, Clidjé Thibaut, c'est un joueur qui joue la première division au Togo et actuellement avec ce statut d'international qu'il a, il a fait des compétitions internationales. Et je suis désolé que ce joueur ne peut pas venir participer à un tournoi auquel participent des jeunes de centre de formation. Donc Thibaut n'avait pas participé. Mon ami là, le DT d'une académie de foot, a montré les vidéos que moi, ma société et moi, nous avions faites à nos propres dépenses. Nous avions fait ces vidéos pour le joueur Clidjé Thibaut que nous avions placé sur YouTube. Donc selon cet ami, il m'a dit qu'il a montrer les vidéos à Souleymane Cissé, il a vu, il est très intéressé et Souleymane Cissé désire me voir pour qu'on puisse discuter. C'est là où on s'est vu à l'hôtel, dans un hôtel nommé Hôtel du 10 février de Lomé, où on s'est vu, on a discuté. D'accord. À l'époque, Souleymane Cissé m'a dit qu'il aimerait faire venir le Clidjé Thibaut en France pour des essais. À cette époque, Souleymane Cissé travaillait pour l'OGC Nice, hein, c'est bien ça? Oui, tout à fait, M. Nicolas. Souleymane Cissé, il m'avait parlé de l'OGC Nice à l'époque. Et actuellement, même la carte de visite que j'ai en ma possession sur Souleymane Cissé, c'est la carte de l'OGC Nice. Il m'a dit qu'il est président fondateur d'un centre de formation qui est devenu un club à Abidjan appelé RCA,
Racing Club d'Abidjan. Moi, j'étais quelque part très content que je faisais sa connaissance. J'ai de très bons jeunes Togolais qu'on pourrait travailler ensemble. On pourrait envoyer des joueurs à Abidjan chez lui, dans son club, dans son centre. Et de là, on pourra réaliser beaucoup d'affaires ensemble. Est-ce qu'il y avait... En ce moment, il n'était pas avec Bordeaux. Oui. Est-ce qu'il y avait la société Sportback avec lui, un représentant de cette société-là, à ce moment-là? Monsieur Nicolas, effectivement, quand moi, la réunion fut organisée, ils ont exigé que je vienne à la réunion avec le joueur. Ils ont vu que le joueur, il a 18 ans et sincèrement, c'est leur souhait de voir le joueur de visage pour causer ensemble la soirée là. Donc, à la réunion, je suis venu avec mon joueur Clidé Thibault et en tant que son agent légal, son représentant légal, contrat entre nous, signé noir sur blanc. Et à cette réunion, il y avait aussi la société Sportback. Voilà, alors je le précise parce qu'ils ont un rôle a priori important dans le cadre de ce dossier. Donc à cette époque-là, Thibaut Clidjé était joueur du Gomido, club de D1 au Togo. Donc vous avez ce premier entrevue avec, ce premier contact avec Souleymane Cissé, la société Sportback. Donc ça, c'était fin 2018. Ensuite, en 2019, Souleymane Cissé et les Girondins de Bordeaux vous recontactent pour faire un essai à Thibaut Clidjé aux Girondins de Bordeaux. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Parce au départ, en 2018, en novembre, quand la rencontre a été eue, la réunion, c'était que Clidjé Thibaut fasse des tests au club de l'EGC Nice. Mais voilà que en janvier, février, comme ça, Monsieur Souleymane Cissé, il a changé de camp. Il se retrouve du côté des Girondins de Bordeaux. Et, là, j'ai vu qu'il est avec des trucs de GACP, des trucs comme ça. Et là, il me recontacte à nouveau en disant que cette fois-ci, ça ne sera plus l'OGC Nice, mais il a parlé avec le directeur de recrutement, Monsieur Yannick Stopira, tout ça, et Clidjé Thibaut devrait désormais venir à Bordeaux pour faire les essais. Pour faire l'essai. Et donc, oui. Et là, il fait un essai au mois de mai l'année dernière, essai de 15 jours, qui se passe très bien. Donc, il est toujours au club de Gomido, hein, au Togo. Donc, il rentre de cet essai. Et après, qu'est-ce qui se passe? Après qu'il ait fait cet essai au mois de juin 2019, qu'est-ce qui se passe? Ouais, effectivement, il faut soulever. Il a précisé que le club de Gomido était désespérément à la recherche des points. Mais compte tenu des relations que j'avais avec les dirigeants de ce club et la confiance que les clubs togolais me portent en tant qu'un grand agent au Togo, un grand agent sérieux, et Gomido a donné le feu vert aux joueurs d'aller faire le test à Bordeaux. C'était effectivement en mai, il est rentré fin mai. Fin mai. Et de là a suivi les tracasseries. Les tracasseries et les problèmes. Ce qui s'est passé, c'est que le joueur Bordeaux souhaitait recruter le joueur. Et donc, les Girondins de Bordeaux, par l'intermédiaire de Souleymane Cissé, qui travaille pour les Girondins de Bordeaux, vous allez me dire si je me trompe, ils vous ont demandé, ils vous ont dit, votre joueur, il nous intéresse. Par contre, il faut le faire signer. On le fait signer dans un autre club, dans un autre pays, et on le recrute. Sinon, on ne le recrute pas. C'est ça ou pas? Ou est-ce que je me trompe? Ils vous ont demandé de le transférer dans un autre club. Et là, vous avez dit, non, je ne veux pas faire ça. Effectivement, ils m'ont demandé que non, le joueur, il y a des conditions pour pour faire son recrutement. J'ai demandé, mais quelles sont les conditions? Est-ce que c'est financier? On m'a dit, non, on n'est pas encore là-bas. Coco, on ne va pas le prendre directement chez Gomido. Il faudrait qu'on le fasse transiter. Ah, on vous a perdu. Ah ben voilà. Au moment où ça devenait intéressant. Alors, je rappelle qu'il est au Togo. Hein. Je vais le rappeler au moment. Donc vous, les gars, est-ce que vous avez compris déjà, messieurs, un peu le fonctionnement? Déjà, jusqu'à présent, il a passé l'essai, il a eu ce contact avec les Girondins. Les Girondins sont intéressés pour le transférer, mais pour le transférer, on lui demande d'aller dans un autre club. Est-ce que vous êtes là, Kwaku? Je suis là, oui. Monsieur Nicolas. Voilà, parfait. Donc je disais, oui.
Je disais que c'est comme ça. Là, on me dit que non, il faudrait que le joueur passe par un club, transite par un club de Détroit en Côte d'Ivoire ou soit au Congo-Brazzaville. Mais là, ma première question, je leur dis, qu'est-ce que je vais dire à Gomido? On me dit, il faut dire aux dirigeants de Gomido que les essais n'ont pas marché. Je dis, mais nous sommes en juin. Je vais dire aux dirigeants de Gomido que les tests n'ont pas marché, n'ont pas été concluants. Maintenant, en juin, le joueur sera administrativement, il va signer avec un club de Détroit en Côte d'Ivoire ou bien à Brazzaville. Maintenant, en août, les dirigeants de Gomido verront que, comment l'appelle-t-on, verront que le joueur, il a signé à Bordeaux. Mmh. Et je vais vous dire, selon Souleymane Cissé, c'était la seule et unique condition pour laquelle mon joueur devrait être recruté. Les dirigeants n'étaient pas prêts, les dirigeants bordelais, ils n'étaient pas prêts à négocier avec le club de Gomido. Comme ils voulaient leur intérêt personnel, le transfert sur Mbila leur offrait l'opportunité de transférer de l'argent du fric vers le compte de Mbila Sport, de partager cet argent et aussi maîtriser les droits du futur pourcentage à la revente. Si Bordeaux, par exemple, c'est-à-dire si Bordeaux, par exemple, vend le joueur au futur, 3 ans après ou 4 ans après, Mbila aura droit à 15% ou 20% sur la somme de cette revente. Et cette somme devra revenir aux dirigeants de Bordeaux à travers Mbila. Alors, et vous savez, Mbila n'est qu'un petit club de Détroit à Brazzaville. Du coup, il est clair que derrière, ce sont eux qui contrôlent ce club. Et c'est beaucoup plus facile pour les dirigeants de Bordeaux de récupérer leur argent auprès de Mbila Sport. Donc, je résume. Ils vous ont demandé pour transférer le joueur. Le joueur nous intéresse. Par contre, il jouait à Gomido au Togo. Ils vous ont dit, nous, on le recrute, mais il faut le faire transiter par un autre club. En l'occurrence, il est parti au Mbila Sport. Et à ces conditions-là, on le recrutera. Et là, du coup, vous avez refusé cette pratique. Vous avez été écarté du coup du transfert. Le joueur a quitté Gomido, il est parti à Mbila, et de Mbila, il est parti au Girondins de Bordeaux. Et donc, ce que vous dites, c'est que ça permet. Donc, il y avait la société Sportback qui a servi d'intermédiaire. Vous avez les preuves, vous me les avez montrées. Vous avez les documents, vous me les avez montrés, je les ai vus. La société Sportback qui a servi d'intermédiaire pour gérer le transfert du joueur. D'ailleurs, petite anecdote, vous m'avez transmis une copie d'écran du site Transfermarkt où on voit que l'agent de Thibaut Clidget, c'est la société Sportback. Et quand cette affaire est sortie sur d'autres sites internet, vite, c'est devenu agent famille. Peut-être ont-ils eu peur. Vous dites aussi qu'il n'a jamais joué en Détroit au Congo-Brazzaville. C'est bien ça. Est-ce que vous dites, ils ont fait ça parce qu'ils ont la main dans ce club de Mbila Sport. Ils ont la main sur les revenus qui vont être générés et ils pourront bénéficier, eux, d'un pourcentage sur une future revente de Thibaut Clidget. Voilà. Est-ce que j'ai bien résumé? Oui, tout à fait, c'est ça. Voilà, vous avez bien résumé. Voilà. Alors, ce que vous dites, c'est pour cette raison que vous avez saisi la FIFA. Aujourd'hui, il n'y a pas d'enquête auprès de la FIFA, on ne sait pas. Hein. Si? Est-ce qu'ils ont ouvert une enquête à la FIFA? La FIFA va mener ses propres enquêtes. D'accord. Bon, on verra. Donc, vous êtes l'agent de départ. Et pourquoi vous avez refusé ça au départ? Parce que vous êtes dit, c'est pas correct, ça sent, entre guillemets, la magouille. Bon, vous savez, on me dit que quand, par exemple, Youssef Boudjema de la société Sportback, il me dit qu'on devrait se voir à Abidjan et ça serait un avocat qui devrait signer les papiers. Je me suis dit, ce truc-là, il y aura des problèmes après. Vous savez, il y a un jargon chez nous qu'on dit, une bonne affaire, c'est une affaire où tout le monde est content. C'était une grande faveur que les patrons du club de Gomido nous avaient accordé à l'époque en nous accordant un bon de sortie au joueur Clidget Thibaut de voyager en France, alors que à ce moment-là, son club Gomido était à la recherche désespérément des points pour pouvoir assurer le maintien en D1.
parce que c'était très serré. Donc, je me suis dit, pourquoi et pour quelle raison au monde il faut les trahir, il faut trahir ce club, ces dirigeants-là, qui saignent pour la survie de ce club dans un pays où le championnat a un statut amateur. Ce club qui manque de sponsors, ce président qui manque de sponsors, de soutien financier. Pourquoi vais-je les trahir? Pourquoi vais-je les niquer? Au bout du compte, si une telle pratique mafieuse s'éclatait d'un jour au lendemain au Togo, je devrais perdre toute ma crédibilité devant les dirigeants des clubs togolais et les dirigeants de clubs des pays qui nous avoisinent. Et vous savez, on ne gagne pas en s'accaparant des biens des autres, mais plutôt en partageant ensemble avec les autres ce que l'on a. C'est ainsi pour moi qu'on trouve la tranquillité d'esprit et l'évolution en avant. Donc, Gomido et Préjudice, ils laissent partir le joueur pour faire un essai quand même. Et le joueur, l'essai est concluant, mais le joueur, en gros, il se barre dans un autre club, ils le transfèrent, ils écartent l'agent et ils font le transfert après. C'est résumé, c'est ce que vous nous dites. Vous avez les preuves de ça. Voilà, je ne sais pas ce qu'on peut dire de plus. Je demande à mes collègues autour de la table si vous souhaitez dire un mot. Si vous avez une réaction, messieurs. Oui. Moi, juste une petite question, c'est-à-dire comment on peut écarter un agent de joueur dans un transfert de joueur? C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Vous avez bien un contrat quand même avec le joueur au départ, non? Oui, j'ai un contrat avec le joueur au départ et c'est... merci beaucoup pour cette question. Le 12 août 2019, seul mon joueur, sous les instructions et les instigations des dirigeants de Bordeaux, représentés par Souleymane Cissé, mon joueur a saisi un cabinet d'avocats demandant à la FTF de proclamer, de déclarer son contrat de représentation avec moi de nul effet. Du coup, il y a une rupture unilatérale de contrat, une rupture abusive de contrat, et le joueur faisait ces trucs unilatéralement, sans discuter, sans négocier de quoi que ce soit comme proposition avec moi. Voilà, donc il a été assisté pour casser le contrat. Bon, donc c'est devant le tribunal arbitraire du sport, je ne sais pas si le TAS du Togo. Voilà, ça a été jugé plusieurs fois, c'est toujours en cours. Voilà, en tout cas, merci d'avoir été avec nous, monsieur Mavoli Avorga, merci. D'avoir fait ces précisions en espérant que cette histoire se règle. Voilà. Et Nicolas, avant de vous quitter, je dois présenter ici que vous savez, le 11 novembre, le 7 décembre, j'ai contacté Bordeaux, leur demandant quelles sont vos intentions par rapport au recrutement de mon joueur. Les dirigeants de Bordeaux ne m'ont jamais répondu. Mais le 21 février 2020, ils ont présenté mon joueur officiellement comme le joueur il a signé. Vous voyez, maintenant, on me demande après, en février, après l'annonce officielle, la présentation officielle, je recontacte Souleymane Cissé. Souleymane Cissé me dit, lui ne sait pas que je suis l'agent légal du joueur ou pas. J'ai dit, mais comment? Quand j'étais venu à l'hôtel en réunion, en tant qu'agent de joueur, tu pensais que tu me prenais pour qui? Et avant les tests du joueur et après les tests, en quelle qualité vous aviez mené les négociations avec moi? C'était bien sûr à qualité de son agent légal. Donc, il n'a pas répondu. Maintenant, Souleymane Cissé me dit, OK, envoie une copie du contrat que tu as avec ton joueur et nous allons te payer ta commission si vraiment on voit que tu es l'agent légal. J'envoie ma copie de contrat au dirigeant de Bordeaux par email à Bordeaux et à Souleymane Cissé. Et depuis, Souleymane Cissé et les dirigeants de Bordeaux, ils ne disent rien sur ma commission. Ils ne veulent plus payer. Mais à voir les choses, c'est comme si peut-être Bordeaux, ils espèrent gagner le temps pour que mon contrat au Togo soit cassé, soit résilié par la fédération, ce qui serait d'ailleurs compliqué parce que... Ah, on a perdu. Sur aucune base juridique et légale,
mon contrat, c'est un contrat juridiquement et légalement, c'est valide. Et doit produire tous ses effets légaux. Donc, depuis, ils refusent de me payer ma commission. Ils sont là, ils ne répondent pas à mon mail. Vous voyez un peu la situation. C'est un truc, je ne sais pas, qui est très difficile à croire. Si je vois que Bordeaux, c'est un grand club, c'est une grande institution, et c'est au grand Bordeaux de venir niquer les agents en Afrique pour une petite somme, c'est vraiment terrible. Bon, très bien. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne fin de journée. Merci d'avoir témoigné et bon courage pour régler vos soucis et à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci Allez, beaucoup. Au revoir. À bientôt. Merci. Au revoir. Bon, messieurs, voilà, on lui a donné la parole. Je ne sais pas qui veut réagir là. C'est qui veut réagir, Flo? Bah écoute, moi j'avais eu des échos par rapport, juste ça me fait un peu penser à un peu ce qui s'est passé aussi avec le dossier Racef finalement. Et donc voilà, qu'est-ce que tu veux dire de plus à part que c'est de la magouille de bas étage et que enfin c'est enfin clairement une honte de faire des procédés pareils. Je vois pas quoi dire de plus. Il a les pièces, hein. Après les instances jugeront. Après, il faut la volonté de la FIFA de juger, parce que bon, FIFA aussi. Mais voilà, moi, j'avais eu des échos sur certains dossiers de jeunes, et notamment Racef, où on me disait, Flo, tu vas voir, dans quelques semaines, ça va littéralement exploser, et ça va arriver au grand jour. Et voilà, la confirmation, elle est là, malheureusement. Tout le monde est, j'ai l'impression que tout le monde est touché dans ce dossier-là, tout le monde a pris. Moi, ce qui me choque véritablement, et d'ailleurs RMC en a parlé, c'est cette histoire que Souleymane Cissé ait ce contact avec ce club d'Abidjan, et que en même temps Abidjan a un partenariat avec l'OGC Nice, ce qui peut, et donc du coup, comme le dit Riolo, finalement, si tu as un joueur qui est soi-disant entre guillemets une pépite et qui intéresse les deux clubs, tu fais comment, quoi? C'est là, et finalement, ouais, enfin, j'en terminerai, c'est vraiment de la magouille de bas étage. Joe, tu veux réagir par rapport à l'histoire là de ça? Donc bon, c'est vrai que c'est bon, c'est voilà, quoi. C'est ce qu'a dit Flo, ça rappelle vraiment. Ça entache le club, ça entache l'image des Girondins de Bordeaux. Ça, oui, ça c'est sûr. Vous entendez ce qu'il a dit. Il a dit Girondins de Bordeaux, un grand club qui vient arnaquer les clubs africains, quoi. Les argents africains, c'est ce qu'il dit. C'est ça pour la différence, c'est que c'est pas les Girondins, c'est des représentants malheureusement incompétents qui font ça et voire même criminels dans ce cas-là, parce qu'ils vont peut-être justement. Peut-être tuer le club derrière, parce que les rumeurs, ça fait des mois qu'on les entend. Depuis l'arrivée de Dragosa, il y a toujours eu du flou dans plein de choses. Les communications ont été vite coupées, etc. On a vite compris qu'il y avait des choses qui étaient un peu bizarres. Maintenant, ça nous saute à la gueule, clairement, parce que bon, mais les médias ont décidé effectivement de s'en occuper avec des informations qui sont de plus en plus concrètes. Malheureusement, on n'est pas surpris. Moi, ce qui m'inquiète maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qu'on risque en fait dans tout ça. Est-ce que c'est les mecs qui gèrent ça qui vont payer, ou est-ce que c'est nous en tant que Girondins de Bordeaux? Mais forcément, il y aura des conséquences pour Girondins de Bordeaux, ça c'est sûr. Je pense qu'il y en aura un peu des deux, hein. Je pense que l'interdiction de recrutement peut très bien arriver dans ce genre de situation là. Bien sûr. Pour que ce soit démontré. Marcine, tu veux réagir? Oui, cela nous montre la manière dont notre groupe travaille. C'est pour moi le problème est que avec l'arrivée des Américains, ils voulaient tous faire professionnel, pour que tout soit professionnel, faire embaucher des employés, tu sais, nous montrer de faire nouveaux règles dans le club. Et de l'autre côté, nous avons les histoires comme ça, donc c'est incroyable. Tout ça pour récupérer, c'était 15% d'un futur transfert. Donc, mais bon, dans le football, il y a plein de choses comme ça. Mais bon, si ça arrive dans le club, grand club comme Girondins de Bordeaux, c'est vraiment grave. Nélio, tu vas réagir toi aussi? Ouais, je suis très inquiet par rapport aux sanctions qui vont être prises, parce que d'après les dires de Daniel Riolo sur l'After, la FIFA chasse pas mal ces pratiques-là.
Donc, ça m'étonnerait qu'on y échappe si c'est avéré. Ouais. Et sur le court terme, rien qu'une interdiction de recrutement, ça peut faire très mal, quoi. Sportivement, pour les Girondins, ça peut faire très mal. Et on accueille Monsieur Samuel Vasselin au téléphone. Salut Samuel. Salut à tous. Comment il va? Bah, j'ai un peu honte, je t'avoue. Hein. Ouais. J'avoue que depuis lundi soir qu'on a fini le talk et qu'on a commencé à voir la série de révélations entre les supporters et RMC, oh là là, quelle purge. Bon, pour une fois, c'est pas un match des Girondins, c'est tout ce qui gravite autour, mais franchement, c'est dramatique. Bon, on va parler, on va enchaîner. Tu as écouté là l'agent, tu veux réagir sur ce qu'il a dit, l'ancien agent de Clidgé, ou bah, on passe à la suite? Il a confirmé les dires d'RMC, parce que c'est vrai que il faut aussi prendre un peu avec des pincettes tout ce qui se dit depuis une semaine, parce qu'on n'a pas la version de tout le monde, quoi. Et c'est vrai que quand t'as la version du mec en question, quand tu t'expliques comment ça se passe pour les transferts, notamment avec les clubs africains, mais là on a la version des clubs africains, mais qui nous dit notamment qu'en Asie, où je sais que Longuepé a beaucoup de connexions, on fait pas pareil. Enfin voilà, le récit est tellement bien détaillé que tu comprends un peu le cheminement et le pourquoi du comment ils font ça, et tu te dis que c'est, comme l'a dit Flo, des magouilles de bas étage, et que ça a l'air d'être assez répandu depuis l'arrivée des Américains, quoi. Donc c'est une catastrophe, de toute façon. C'est tout ce qui sort depuis le début de la semaine, parce que même si ça peut se faire ailleurs, le fait de savoir que ça se fait à Bordeaux, ça va entacher l'image, peu importe ce qui se passe derrière, pendant très longtemps. Les conséquences, ça peut être ça. On passe sur les conséquences. Ça peut être l'image d'un club qui fait des magouilles, quoi. Non ? C'est ça. Non, mais c'est ça. Et on rigole souvent avec les clubs à l'étranger. Il y en a qui sont connus pour être, notamment au Portugal, Porto Sporting Benfica. Ils ont cette réputation d'être le FC. Le FC Braderie, quoi, où tu as des magouilles, des tierces propriétés, etc., machin. Là, nous, on va passer pour le club qui engage n'importe qui pour mandater les transferts, parce que on a des bonnes connexions, on a des bonnes relations avec un tel ou un tel. Le club qui donc arnaque des petits clubs dans d'autres continents. On va aussi surtout passer pour le club avec une direction qui est pas nette, mais ça on le savait déjà, mais ça se confirme de plus en plus, et avec laquelle t'as de moins en moins envie de travailler, même si beaucoup ironisaient sur ce qu'ils ont révélé sur Koscielny, qu'on savait déjà, hein, pour ceux qui suivent le club. Mais oui, alors oui, c'est vrai que tu surpayes peut-être à Bordeaux, mais quand tu vois tout ce qui se passe, quand tu vois comment ton avenir, il peut, en tant que joueur, il peut être manipulé, il peut être il peut ne pas dépendre de toi, ben tu te dis qu'il y a un moment donné où ça va ne plus donner envie aux joueurs de rejoindre Bordeaux. Déjà que sportivement tu donnais pas trop envie, mais là même le cadre, on dit toujours ah ouais, à Bordeaux la soupe est bonne, la vie est belle, le haillant, etc. Là c'est même si t'as le haillant, etc., t'es pas serein, c'est pas un environnement normal et sain pour accueillir des joueurs. Nelio, il y a des réactions. De salariés d'ailleurs, oui, parce qu'il y a pas que les joueurs. Moi je pense à tous les gens qui bossent aussi au club, ouais. Et il y en a beaucoup, visiblement. Je pense que pour eux aussi, c'est un peu chelou. Sauf pour ceux qui sont dans la tambouille, quoi. Nelio, est-ce qu'il y a des réactions sur le chat? D'ailleurs, merci à tous d'être nombreux. Allez-y, envoyez du like sur la vidéo. Ça nous aide, hein, vous le savez. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube. Ouais, il y a Sultan Rex qui parle de Ramé et qui trouve que ce qu'il a fait, c'est impardonnable. Donc, en plus, il divise bien le mot impardonnable en plusieurs parties. Donc, pour accentuer ça, je pense que ça fait beaucoup de mal aux supporters, le fait que ça soit Ramé. C'était une des dernières pièces, une des dernières hommes du club qui les rattachait à leur histoire. Et au final, que même lui soit dans les magouilles, c'est peut-être ça qui met les supporters au fond du trou. Sinon, on a une question de Kevin sur Instagram. Alors, lui qui a lu sur les réseaux sociaux que King Street aurait reçu 3 offres et en aurait refusé une. Est-ce que les révélations qui sont en cours, donc encore cette semaine, peut forcer King Street à vendre, selon vous? Flo? Non, puis moi j'aimerais juste revenir 2 secondes là sur cette histoire, parce que là j'ai vu des choses aujourd'hui sur Twitter avec cette histoire de comité de direction. Mais il faut savoir une chose, que depuis le mois de février, toutes les semaines, si ce n'est tous les 10 jours, il y a des comités de direction.
Donc il y aura pas forcément des têtes entre guillemets qui vont sauter dès maintenant. Après, moi je vois mal en fait King Street, même avec tout ce qui se passe, je les vois mal partir de suite du jour au lendemain. Et donc voilà, donc c'est vrai que c'est problématique. Maintenant, tu as aussi des dirigeants à l'intérieur, parce que moi j'ai un peu communiqué avec pas mal de journalistes qui suivent de très près le club et dont de que je connais, et qui me disaient que clairement voilà, il y a aussi un point qui est assez incroyable dans tout ce drame, c'est que il y a zéro communication, que il y a un directeur de com qui essaye de pousser depuis des semaines à ce que les têtes pensantes, notamment Frédéric Longuépé et Anthony Thiaudet, par rapport à ce qui se passe, de communiquer, mais ils ont décidé qu'ils ne souhaitaient pas communiquer. Il y a un média aussi qui doit dans la semaine faire normalement une interview de notre cher et tendre président, mais que pour l'instant ils ont reçu un non catégorique de la part de monsieur Longuépé. Donc voilà, moi ce que je trouve hallucinant par rapport, juste pour revenir par rapport à ces leaks des ultramarines, je trouve quand même incroyable la manière dont ils arrivent à parler sans filtre, en sachant la situation du club à l'heure actuelle. On sait très bien que le club est mal vu depuis un certain moment, et que parler sans filtre comme ils l'ont fait, c'est, enfin, je sais pas, si tu réfléchis 30 secondes, tu peux te dire que tu vas être enregistré, même si moi, je tiens à le répéter aussi là-dessus, j'espère que on parlera beaucoup plus de ce qu'on entend que sur le plan juridique, parce que les ultras là-dessus peuvent manger pas mal, parce que c'est des pratiques qui sont sur le plan juridique illégal, et ça peut aller très loin. C'est de l'intrusion dans la vie privée, hein. C'est illégal. Hein. Oui, voilà, exact. Et c'est très illégal. Et par exemple, ça a été enregistré c'est des réunions devant les fameux comités de supporters, c'est ça? Oui, voilà. Non, et je crois pas c'est comité de supporters, c'est conseil des membres. Conseil des membres. Notamment est-ce qu'il peut pas y avoir aussi des enregistrements? C'est le bureau des légendes, hein. Oui. Est-ce qu'il peut pas y avoir aussi, Flo, excuse-moi, du coup, je te coupe, mais est-ce qu'il peut pas y avoir aussi des enregistrements de la part de collaborateurs de monsieur Longuépé, Thiaudet, dans le cadre de ces... Non, ça m'étonnerait, je crois pas. Moi, ça me rappelle énormément aussi l'histoire qu'il y avait eu en politique ces dernières années, par notamment Laurent Wauquiez, par exemple, qui avait été... mais là, il avait plus chargé ses collègues politiques qu'autre chose. Donc voilà, maintenant, je pense qu'ils devront répondre à beaucoup de choses. Est-ce que les têtes vont sauter dès cette semaine? J'ai des doutes, honnêtement, ça m'étonnerait. Mais moi, ce qui me choque, c'est vraiment la ne pas communiquer. Je pense que ça serait bien de ne pas faire des live tweets dans tous les sens, des grandes rencontres phares des Girondins, et plutôt faire profil bas en ce moment, voire même plus, parce que là, on arrive sur un point de non-retour, hein. Mais clairement un point de non-retour. Après, je mettrai peut-être plus en suspens ce qui a été dit mardi et mercredi par rapport à l'after, et notamment sur RMC, parce que j'ai appris aussi qu'il y a eu des coups de fil qui ont été passés auprès des supporters. Donc le dossier n'est pas si incroyable que ça. D'ailleurs, peut-être pour ça que le correspondant de RMC n'était pas présent mardi et mercredi soir aussi. Joe, réaction, ça peut être quoi les conséquences pour le club? La vente rapide des changements de tête, je sais pas. Après, le foot business, ça fait des années que ça y est, ça fait des décennies. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que Bordeaux qui fait ça, faut pas non plus rêver. Ce qui m'a gêné dans tout ce que disait Lolo, c'est que j'avais l'impression qu'il découvrait le foot. Et à un moment donné, tu vois, fait genre, regardez tout ce qui se passe, genre, j'ai l'événement de l'année, etc. Bon, la plupart des choses, on les savait à peu près. C'est juste qu'il a confirmé, soi-disant, avec des dossiers, effectivement, mais il a confirmé un petit peu les dires de beaucoup de choses. Maintenant, moi, ce qui m'étonne un peu, c'est comment on peut avoir autant d'informations par rapport à, notamment à Eric Ramy, qui aurait une relation avec la soi-disant coiffeuse, etc. Ça, je sais pas comment on peut le confirmer. C'est toujours pareil, mais je sais pas comment on peut avoir autant de fuites dans un club qui est censé être autant fermé en termes de communication.
là, j'avoue que ça, c'est quelque chose qui m'échappe un petit peu. Alors, soit c'est volontaire ou je sais pas. Ou La team Lescure, je crois, hein, Joe. Ouais, non, mais je sais pas, mais il y a quelque chose quand même qui m'échappe dans ce cadre-là. Ça fait des mois qu'on parle pas des Girondins et là, d'un coup, c'est la mode. Tout le monde en parle. Je sais pas ce qui se passe, mais cette semaine, c'est le sujet de conversation de tout le football en France. Et ce qui m'inquiète, c'est que, comme je t'ai dit, je pense que dans le foot mondial, il y a des machias du foot, il y a plein de choses, des transferts bizarres, etc., notamment, comme disait Samuel, avec le Porto, Benfica, les rois du trading, c'est eux qui ont un peu inventé ça, limite. Et ce qui m'inquiète, moi, c'est que là, on est en France, t'as la DNCG, t'as quand même beaucoup de choses par rapport à d'autres pays. En Espagne, tu peux avoir, comme ils ont dit, des contrats d'agents en une journée. En France, c'est beaucoup plus contrôlé. Donc, à Bordeaux, on peut prendre très cher parce qu'on est en France aussi. Ouais. Là, c'est pas possible que ça reste en place, là, dans la direction. Non ? Pourquoi pas ? Il faut prendre des décisions, ouais, mais... Non, je sais pas, mais ouais, bon, mais... c'est quand même hallucinant. Ouais, parce que quoi ? Parce que... Non, mais au nom de quoi, Nico ? Au nom de la morale collective, ils en ont rien à foutre depuis le début. Non, mais je sais pas, t'as quand même un... C'est vrai que l'actionnaire est absent, donc ils font ce qu'ils veulent. Hein. Parce que c'est ça, en fait. C'est-à-dire que c'est qui va manger ? Quoi, Longuepé ? Mais Longuepé, il a rien à voir. Enfin, il y a un truc, il a rien à voir avec tout ça, mais il est c'est de toute façon, depuis le début, il est là pour faire joli et pour serrer la vis. Donc, moi, je suis pas rassuré parce que, comme le dit Joe, faut distinguer les deux problèmes. Il y a le fond et la forme, un peu, dans la mauvaise image actuelle. Il y a la forme, c'est RMC qui effectivement dégaine tout ce qu'ils ont pu trouver. Il y a à boire et à manger dedans. Il y a des trucs qui sont vraiment intéressants, vraiment flippants. Il y a des trucs où effectivement on a l'impression qu'ils découvrent qu'aujourd'hui que le football c'est un monde très 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 chelou, très mafieux aujourd'hui. Donc voilà, après c'est ça. En tout cas, ça marche parce qu'il y a beaucoup de gens qui le savent pas forcément et qui vont être happés par ce genre de discours. Et moi, le plus emmerdant, il y a le fond. Parce que là, RMC, voilà, c'est la forme, c'est effectivement l'image de Bordeaux qui est détériorée par la plus grande émission peut-être foot en France. Mais après, il y a le fond, il y a ce que sortent les ultras tous les jours. Et il y a, moi, les discours que j'entends de Thiodé et de Longuepé qui sont avant tout incompétents, déjà. Moi, quand je les entends parler, je me dis, on marche sur la tête. Non seulement ils sont incompétents, mais en plus, ils sont limite dans l'éthique et dans l'efficacité de ce qu'ils veulent faire. Et l'image, surtout quand on voit comment ils veulent traiter certains journalistes, les supporters, qui peuvent dire sur les, entre guillemets, les minorités, ce qu'ils appellent les minorités au stade, enfin, c'est complètement hallucinant, quoi. Et ça, moi, ça m'inquiète beaucoup plus parce que l'image est à la limite, comme l'a dit Joe, si demain matin il y a un autre club où il y a des dingueries, RMC va refaire une semaine dessus, et tout le foot français va se mettre à parler de cet autre club où il y a des dingueries. Par contre, le problème, c'est que Thiodé et Longuepé, à mon avis, sont encore là pendant quelques temps, et qu'ils vont pourrir le club. Déjà par l'image, mais surtout par leur incompétence, quoi. Et là, effectivement, c'est un peu plus problématique. Marcine, tu ferais quoi, toi ? Tu es supporter des Girondins, tu suis le club donc à distance, hein, je rappelle, hein, tu es à Édimbourg. Toi, tu te dis, tu as envie de quoi ? Comme Flo, il a dit, chaque 10 jours, chaque semaine, chaque 2 semaines, il y a une nouvelle affaire concernant les Girondins. S'ils sont les ultras, les transferts, les trucs pareils. Moi, je ne pense pas qu'il y aura une réaction. Donc, ça, je sais pas, ça pour moi, Longuepé et Thiodé, ils vont rester au club parce que il y a ça peut être plein de choses différentes, mais il n'y a aucune réaction. Donc, le truc qui me choque le plus, c'est l'attitude de Ramé, parce que même en Pologne, Ramé, il n'est pas très connu, mais quand même, il est connu comme un gardien historique et qui fait venir une Coafes espagnol, c'est cette histoire est incroyable. Même moi, j'ai mis sur Facebook, sur Girondin Polska, la publication concernant, parce que ça me paraît intéressant. Je sais que les gens en Pologne connaissent Ramé, ils savent ce qui c'était. Donc, la plupart des réactions les gens étaient choqués. Parce que Ramé, il était à Bordeaux avant l'arrivée des Américains. Donc, moi, je me suis dit personnellement que, voilà, qu'il est clean. Mais à un moment donné, moi, j'écoutais RMC, c'était lundi ou mardi. Donc, ça m'a choqué le plus. Parce que, monsieur Longuepé, monsieur Thiodé, donc, j'ai pris déjà l'habitude ce qu'ils font avec notre club parce que je sais bien que c'est rien de bien.
Par contre, Ramey, c'est vraiment choquant. Toi aussi, Nelio, Ramey, qu'est-ce qui te... On va pas faire un... Oui, mais qu'est-ce qui te choque le plus, quoi? C'est ce qu'il dit sur Ramey. En fait, c'est un tout, mais je pense que Ramey, c'est ce qui a vraiment... c'est ce qui a mis le coup final, quoi, le coup sur la tête des supporters. C'était ce qui les, enfin, c'était la dernière personne qui les rapprochait encore de leur histoire, quoi, au sein du club. Enfin, qu'on voyait encore un peu, même si maintenant il était chez les féminines, et quand il était chez les mecs, on pensait pas qu'il était dans ce genre de magouille-là, et au final, si, quoi. Il en est même à l'origine d'un gros dossier. Donc je pense que ouais, c'est ça qui choque le plus. C'est que Ramey, moi je suis de la jeune génération, Ramey pour moi c'est les Girondins de Bordeaux. Et en fait de voir que lui il marche là-dedans aussi, c'est ça qui est le plus choquant. Bon, il y a une nana là-dedans et on l'a fait passer. Alors c'est un peu misogyne, hein, mais on l'a fait passer pour une je vais dire le mot. Vas-y, sors le mot. Non, il n'y a qu'une nana, et c'est pas un peu misogyne, on l'a fait passer pour une nana qui couche avec tout le monde et pour une incompétente. Est-ce que c'est pas un peu misogyne, ça, de la part du monde du foot? De l'intérieur du foot, moi, je trouve pas, hein, parce que j'en ai entendu des impressionnants, des histoires dans ce sens-là, mais pas autant. Mais c'est vrai que malheureusement, désolé, ça fait partie du football entre guillemets, hein. C'est moi j'ai entendu d'ailleurs, ça rappellera des bons souvenirs à Samuel, une ancienne collègue de classe qui était avec un footeux notamment, qui disait que ça n'a rien à voir avec ce qui se passe avec Ramey, etc., mais que entre guillemets son mec pouvait aller coucher avec une autre meuf, ça la dérangeait pas. Donc ça fait partie un petit peu du mode de fonctionnement du football de l'intérieur. D'accord. Non mais c'est impressionnant. Moi quand j'ai entendu ça, j'étais là, j'étais. Bon, chacun fait ce qu'il veut. Mais chacun fait comme il veut. Ouais, voilà, exactement. Ouais, après c'est vrai que c'est les compétences. C'est vrai qu'elle arrivait comme ça et tu comprends mieux. Ce qui est hallucinant sur le cas d'Ulrich Ramey, c'est que elle avait des mandats de joueurs sans que pour aller les vendre, sans que finalement les joueurs et leurs agents ne soient au courant, quoi. Donc ça, quand même, c'est ça. C'est... Par exemple, avec le cas Nicolas Depréville, notamment, je pense, c'est le plus criant. Après, on peut s'étonner. On dit François Camano, il y a l'entourage. Mais finalement, quand tu mandates en plus des agents une personne comme ça au club pour aller négocier avec les clubs, faut pas s'étonner qu'il y ait aucun joueur qui parte au Girondins de Bordeaux. Hein. Bien sûr. Voilà. Bon, je sais pas ce que vous. Nico, je pense que s'il y a autant de raillerie aussi sur la personne, c'est parce que ce n'est. On parle souvent, moi c'est ce que quand on parle de parité, de ça, etc. Moi j'aime quand on parle de compétences des personnes. Oui. Faut pas mettre une personne parce que elle est de cette religion, de cette couleur de peau, de ce sexe. Faut mettre une personne parce qu'elle est compétente. Et là, force est de constater que pourquoi s'il y a autant de raillerie, c'est parce qu'on parle d'une personne qui, entre guillemets, s'est estimée compétente parce qu'elle tenait un salon de coiffure et qu'elle entendait les ragots des footeux et donc des transferts. Et c'est là où, entre guillemets, et qu'elle connaissait Massica. Non, elle l'a connu après. Non, elle l'a connu après. Ouais. Tu connaissais pas Massia, mais du coup, quand elle l'a connu, elle s'est rendu compte qu'ils avaient des contacts en commun, donc ils ont sympathisé. C'est-à-dire que là, on est tout sauf dans la compétence. On est justement dans le pitonnage. C'est-à-dire qu'une personne, parce qu'elle est sympa, qu'elle coiffe les cheveux, du jour au lendemain, tu décides de lui donner un poste ou de l'aider à devenir, à faire un boulot pour lequel elle a visiblement pas de compétences et ça lui vient juste comme ça parce que, encore une fois, elle entend des ragots dans un salon de coiffure, ben là ça donne une mauvaise image du football et ça donne une mauvaise image aussi pour on va dire l'égalité des sexes et notamment le respect pour le travail des femmes. C'est parce que là on engage une personne qui n'est pas compétente, on engage une personne parce que visiblement justement il y a des relations étranges derrière tout ça et je trouve que ça ça contribue au fait que depuis le début on donne une image négative de tout et même de ça. Ulrich Ramey, il peut plus rester là, c'est plus possible. Bon, qui parle déjà. Non, mais je sais pas, moi je suis ramé, comme disait Aubraniac, je rase les murs, voilà, tu... Non mais oui, non, mais attention. Si c'est vrai, si ce qui a été dit est vrai, mais bon, il y a de fortes chances quand même. Moi j'aimerais qu'il parle, une fois qu'il aura parlé, on écoutera aussi ce qu'il a à dire, s'il dément tout, comment il le dément, et là après on pourra peut-être se faire une idée. Alors là encore une fois, c'est pas la justice qui tranchera, hein, ce sera un peu entre guillemets notre jugement et on va dire finalement la morale. Mais faut quand même qu'il parle et qu'il ait le droit de s'exprimer. On est en démocratie. On ne va pas juger quelqu'un parce que un tel a dit que. Sinon, on serait dans la merde.
Ah, parce qu'après, juste, je dis juste pour être tout simple, hein, Rami a quand même donné effectivement l'autorisation à une personne qui était mandatée, qui était homologuée pour le faire. Pas pour la France, a priori. Pas pour la France ? Non. Elle n'avait pas l'autorisation d'exercer en France. Dans le transfert de Naofel Ratsef, en fait, l'affaire est portée devant la justice parce qu'à ce moment-là, elle n'est pas mandatée pour la France. Et elle apparaît quand même dans le dossier. Et eux, apparemment, la réponse qu'ils auraient donnée à ceux qui ont réalisé l'investigation, c'est oui, mais c'est pas prouvé qu'elle ait touché de l'argent grâce au transfert. Ouais. Non, mais. Donc, elle travaille bénévolement et parce qu'elle aime les Girondins de Bordeaux. Ouais. C'est pas la seule personne qui fait ça en France. Il faut pas non plus. Ouais, mais bon, c'est pas une raison. Après, est-ce que le club. Est-ce que le club a la possibilité. Moi, je sais que quand t'as un employé dans ton entreprise, t'as un magasin, il te vole des choses dans ton magasin. Tu peux l'attaquer, tu peux aller au pénal contre lui, au civil ou au pénal, je ne sais plus. Mais tu peux l'attaquer. Est-ce que les Girondins de Bordeaux peuvent se retourner contre Suleyman Cissé, contre les auteurs de malversations, s'il y en a eu ? Je ne sais pas si c'est déterminé, parce que s'ils prennent des commissions en douce, et si ce n'est pas légal, le club peut aussi se retourner contre eux, non ? Oui, mais si c'est le club qui leur a demandé de faire ça. Non, parce que, oui, mais le club, c'est une entité, après... Oui, non, mais je suis d'accord, Nico. C'est une personne morale. C'est nos dirigeants. Nos dirigeants, c'est assez lâche pour porter plainte contre les mecs qu'ils ont mandatés pour faire des trucs dégueulasses. Hein. Mais encore une fois, est-ce que Suleyman Cissé, il est le seul responsable de tout ce qui se passe aujourd'hui? Enfin, Non, bien sûr, Nico, non, mais je me suis mal exprimé. Si Suleyman Cissé, il est le seul responsable, notamment de l'affaire pour laquelle on a reçu l'avocat tout à l'heure, moi, je pense pas que ce soit le seul mec qui ait pris des décisions et qu'il n'ait pas passé au moins des coups de fil et qu'il ait eu des accords de plus haut. Donc, c'est ça. Ce serait trop simple après si jamais le club porte dans ce cas il porte plainte contre tout ce qui s'est fait, contre aussi le salaire de Laurent Koscielny, le contrat de Paulo Sousa, mais le problème c'est que c'est eux qui l'ont signé et qui ont donné la mission de le faire. Donc j'espère que le club au contraire assumera ses conneries, enfin que King Street, parce que aujourd'hui même si c'est purement subjectif, mais je préfère dire King Street parce que j'ai du mal encore à dire que c'est les Girondins de Bordeaux, c'est les propriétaires des Girondins de Bordeaux qui font ça avec le club. Mais j'ai du mal à dire que c'est l'institution et l'entité qui entre guillemets, fait ça. Même si c'est, j'entends ceux qui le disent, hein, mais on va dire que c'est peut-être mon côté supporter qui veut le réfuter pour le moment. Un dernier mot, parce qu'après on va accueillir Gino au téléphone. Là, t'attends quoi du club aujourd'hui ? Après, comme l'a dit, contrairement à ce qu'a dit Flo, je pense pas que le club doit arrêter de communiquer, notamment sur les matchs et tout. Au contraire, je crois que autour de l'effectif professionnel et d'équipe, le club et donc des supporters, c'est-à-dire autour du terrain finalement, le club doit laisser les choses se faire normalement. Donc effectivement, si ça se passe par remettre des rediffs des matchs il y a 4 ans ou 5 ans, tant mieux. Donc à ce niveau-là, en termes de football, que le club continue à faire ce qu'il doit faire jusqu'à la reprise. En interne, j'ai envie de te dire, j'ai envie qu'ils assument, mais ça c'est un rêve de petit garçon de 7 ans, parce que je suis pas sûr que ça se passe. Sincèrement, je sais pas. Je sais pas. J'aimerais qu'ils réagissent. J'aimerais éventuellement que avec tout ce que l'after fait, qu'il y ait un soir, il y ait Étiodé et Longue Épée qui aient les burnes, excusez-moi du terme, mais d'y aller et de répondre en face à face à certains dossiers. J'espère qu'on n'aura pas la même interview que la dernière fois où il nous sortira son tableau Excel et il nous racitera ses chiffres. Là, j'espère qu'il parlera. Mais encore une fois, j'ai l'impression que c'est utopique. Donc, je sais sincèrement pas ce qui va se passer. Moi, je préfère. La seule chose qui va se passer là, c'est qu'on va continuer à emmagasiner certaines informations et qu'à la fin, il y aura peut-être un dossier qui sera trop gros pour qu'il reste. Maintenant, ils l'ont dit, hein, encore une fois, dans les échos de sortie ce matin, ils ne sont pas vendeurs. Et ça, j'ai envie de te dire, quand tu vois un peu le caractère de Thiodier, ça le ferait chier qu'un mec qui aime Bordeaux reprenne le club. Parce qu'il se dirait, non, c'est bon, ça va redonner raison là aux petits supporters, là, ils vont avoir un bisounours comme eux. Non, nous, on va faire notre business plan. Et donc, j'ai envie de te dire, tu sais, ce genre de personnage-là, ceux qui ont envie de faire chier, c'est ceux que tu mets le plus longtemps à t'en débarrasser. Donc, je suis très, très, très pessimiste. Ok, bon, ben merci Samuel. Salut, à lundi peut-être. Ciao, ciao. On te retrouve lundi, sur le Club des 5. Bye. Yes, bonne soirée les amis. Ciao. Ciao. Ouais, Joe. Tu voulais parler ? Non, moi, juste, je trouve qu'il y a quand même une personne qu'on oublie, quand même, c'est Joe Dagrossa. C'est l'instigateur de tout à la base, en fait. C'est lui qui est venu créer le projet et. Je n'ai pas entendu parler sur RMC et tout ça, donc je trouve ça un peu dommage. Ils ont parlé aussi vaguement de Paulo Sousa par rapport effectivement à la fameuse histoire de son contrat par rapport aux primes sur la revente et l'histoire de Houdin avec l'agent de Sousa qui vient un petit peu s'en mêler. Après, ce qui oblige peut-être les Girondins à vendre derrière aussi Tchouaméni, etc.
Voilà, mais je trouve que il y a des gens qui ont été épargnés là-dedans. Je pense que si on fouine un peu, malheureusement, la problématique, c'est que toute la direction, tous ceux qu'il y a au-dessus maintenant, ben, ils sont pas là pour le club. Et je comprends la seconde partie aussi de la saison des joueurs par rapport au projet et tout ça. Je comprends mieux ce qui s'est passé aussi en seconde partie de saison, sur le terrain en tout cas. Et oui, départ de GACP, ça a provoqué une casse. Ils ont peut-être compris aussi qu'il y avait plus un intérêt économique pour tout le monde qu'autre chose. Voilà. C'est ça. Il n'y en a aucun qui... T'as la sensation qu'ils pensent tous à leur intérêt personnel et non à l'intérêt du club. Voilà. C'est le sentiment qu'on a. Si c'est la politique club, si c'est la politique globale après derrière, forcément, ça va impacter les joueurs qui vont aussi penser à leur personne et qui vont se dire, bon, mais de toute façon, je suis là pour être vendu d'ici 1 ou 2 ans. Donc voilà. Ouais. Allez, on accueille Gino. Salut Gino. Salut Nico, salut à tous. Bon, ça va Gino, tu résistes à tout ça? Oui, ça va. Ben, malheureusement, on savait pas mal de choses, hein, même si on en apprend encore. Mais personnellement, autant que je suis triste pour le club et l'image qu'on donne, autant d'un autre côté, je suis très content que ça commence à bouger, notamment des médias, les supporters, certains qui commencent à changer un peu d'avis sur la direction et leur méthode. Hein. On voit bien les profils qu'on a, à qui on a affaire. Hein. Quand on entend Thiodé et Longuepé, pour moi, c'est de l'amateurisme et c'est des gens qui ont rien à faire dans un club de football. Donc, je suis très content de ce côté-là, mais c'est un peu, comme le disait Joe, c'est un peu triste que les Girondins de Bordeaux, on en parle le plus souvent de manière négative et ça fait très longtemps que ça se passe comme ça, malheureusement. C'est sûr que c'est une révélation. Hein. Il y a des choses, on est sûr. Quoi. Moi, j'étais sur le cul. Hein. Donc, voilà. Il y a des choses qu'on ne pouvait pas soupçonner. Hein. Donc, voilà. Bon. Écoutez, non, autant il y avait des infos qu'on connaissait. Après, il y a des choses qu'on en apprend de plus en plus. Sur les leaks des ultramarines, moi, personnellement, tout ce qui sort, je suis assez abasourdi. La façon dont c'est communiqué, finalement, à d'autres supporters, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. Nelio, il y a des... Ouais, vas-y, Gino. Et puis, la manière, comme disait Flo, hein, je crois que c'est Flo qui en parlait, au niveau de la communication, quand tu es quand même président et responsable de la billetterie et que tu parles comme ça devant tes supporters, c'est quand même catastrophique. On se croirait jamais dans un club professionnel, on se croit dans un club amateur où le secrétaire ou le mec qui gère la buvette, il balance sur tout le monde, c'est la foire. Non mais c'est exceptionnel ce qu'on entend. Ils critiquent les joueurs. Les joueurs, ils se mettent tout le monde à dos. Tout le monde à dos. Ah mais c'est hallucinant. Moi je me demande, franchement, ils peuvent pas rester. C'est impossible qu'ils restent. Tu peux pas. Ah, pour moi c'est impossible. Tu peux pas. C'est impossible. Il y a des questions, Nelio? Ouais, on a une question de... Alors attends, parce que je l'ai perdu. Ah, là, de John Kaku qui demande, mais communiquer sur quoi? Parce qu'on demande, que les principaux concernés communiquent, mais qui communiquent sur quoi? Sur notre trou de 50 millions d'euros ou la belle saison prochaine qui nous prépare? Les deux. Non, mais c'est un avis que je peux partager aussi dans le sens où on leur reproche tellement de dossiers et de magouilles, entre guillemets, qu'au final, s'ils communiquent sur une et qu'ils oublient de se défendre d'une autre, on va leur reprocher toujours quelque chose. Donc, est-ce que pour eux, il ne vaut pas mieux rester silencieux? Attendre que l'orage passe, entre guillemets. En tout cas, s'ils veulent sauver leur tête, est-ce que c'est pas la meilleure décision à prendre? Je peux tenter de faire un démenti, mais ça serait te tirer un peu une balle dans le pied, mais il faut que tu communiques. Je crois que c'est Alain Baudron qui faisait un petit tweet dans ce sens-là hier. C'est bien beau de regarder tout depuis le bunker Wayan, mais à un moment donné, il va falloir qu'ils réagissent parce que là c'est pas possible. Sinon, je veux dire, il y a un moment donné quand tu vas démarrer ton début de saison et je vois pas par exemple le club refuser par exemple que les journalistes rentrent Wayan, etc. Il va falloir qu'à un moment donné il communique, même si c'est se tirer une balle dans le pied, mais il va falloir que tu réagisses à un moment donné parce que là tu te prends des coups de sniper de tir à balle réelle et tu réagis pas, quoi. Ils nous font honte, hein. Quoi, moi en tout cas ils me font honte, hein. Moi qui suis supporter des Girondins, j'ai honte, quoi. J'ai honte que ce club il donne cette image aujourd'hui. Alors c'est vrai que c'est honteux, quoi. Franchement, ils nous font honte. Moi, ils me font honte. Voilà. Il y a quand même un truc qui me fait du bien dans tout ça. C'est la réaction des anciens joueurs. C'est-à-dire que tu vois pas mal d'anciens joueurs qui commencent un peu à répondre à tout ça, qui montrent que Bordeaux, c'est pas un club de merde. Faut pas l'oublier, c'est quand même un club historique du championnat français.
Je dis pas que ça soulage, etc. Mais tu te dis quand même que ce club a quand même encore quelque chose à faire. Tu vois, c'est pas un club de clampins, c'est pas le déviant Tonon Gaillard qui arrive ici ou voir l'Avignon qui va te faire une saison ou deux. Et voilà, c'est quand même le Girondin de Bordeaux. Tu dis qu'il y a quand même, putain, tu peux pas laisser couler ce bateau. Quoi. C'est pas possible, tu veux pas laisser faire ça. Tu as deux joueurs qui ont réagi. Hein. Mathieu Chalmet, tu l'as entendu réagir. Yaroslav Plazil, tu l'as entendu réagir. Mais les deux, ils réagiront pas, c'est pas possible. Ouais, mais ils sont où? Tu les as entendus réagir, les autres? Vicente Lizarazu, ah non, il y a Dugarry qui a réagi. Lui, de toute façon. Il y a Dugarry, il y a Aubryan, Catherine Mouninas, il y en a quelques-uns. Après, ça va. Ouais, c'est très peu, je trouve. Après, Nico, ceux qui travaillent pour les Girondins de Bordeaux, c'est compliqué pour eux de parler, bien peut-être, sûr. Parce qu'ils ont peur pour leur place. Oui, et voilà, ils ont peur. Donc, ils ont intérêt, et ça veut dire qu'ils cautionnent encore ça. Quand tu es au courant et que tu dis rien, c'est que tu cautionnes finalement. Donc, ben voilà, c'est toujours l'intérêt. C'est que tu n'as pas le choix, peut-être aussi. Ouais, c'est que tu n'as pas le choix, je pense. Ouais. Ah, attends, tu penses qu'ils ont les mains liées? Tu penses qu'ils ont. Ouais. Tu penses qu'ils peuvent perdre leur emploi? Que Plazil et Chalmé en l'ouvrant, tu penses qu'ils n'ont pas accumulé assez d'argent pour survivre jusqu'à la fin de leur vie, avoir un toit et de quoi se nourrir? Non. Mais ils ont peut-être envie de rester aussi, pour préserver ce qui reste aussi, peut-être. Pardon? Non, mais même une figure, comme tu le dis, Nico, même une figure comme Battiston, moi, je ne comprends pas comment il cautionne tout ça. Putain, Battiston, il ne peut pas l'ouvrir, il ne peut pas démissionner, il ne peut pas partir. Jean-Louis Triot. Mais il fait quoi, Jean-Louis Triot, là? Ah, il est en tribune. Triot, pareil. Il fait quoi? Putain, mais qu'il fasse un geste fort. Ça jamais, c'est unique, hein, ce qu'on vit à un moment donné. Est-ce qu'ils sont vraiment au courant? Mais là, ils le sont, comme nous. Peut-être pas. Ouais, mais ils voyaient bien comment ça fonctionnait. Enfin, certains, ils sont à l'intérieur du club, donc je pense qu'ils ont des choses qu'ils ne devaient pas savoir. Oui, ils ne pouvaient pas tout savoir, c'est sûr. Entre sentir les choses et après avoir les preuves et pouvoir balancer, c'est autre chose. Tu ne peux pas non plus balancer sans avoir quelque chose de concret. Moi, je suis consterné de tout ce qu'on a appris. Franchement, je trouve ça incroyable, quoi. C'est incroyable, quoi. C'est heureusement que je suis un peu plus vieux que d'habitude, j'ai un peu mûri et je surréagis pas, mais bon, c'est vrai que quand tu réfléchis, tu te dis c'est fou quoi. Tu peux pas, et à mon avis, ils ne pourront que partir. Et je ne les vois pas rester. Tu les vois au stade les accueillir, mais ça va être comment avec le public là? Dans les tribunes, ça sera à huis clos pour l'instant. Oui, mais tu veux penser qu'ils vont pas se faire la coursive? Tu te mets dans la coursive, tu te mets derrière les places, tu peux les apostropher facilement, quoi. Je veux dire, c'est très simple, hein. C'est impossible, c'est intenable pour eux. C'est intenable. Voilà. Donc bon. Ça peut devenir dangereux, surtout aussi. Oui, c'est intenable. On va pas parler. Après, dangereux, moi je pense pas, tu vois, parce que justement, ils ont parlé de. J'espère pas, justement. Ouais, mais je te dis, regarde, moi ça me dérange, justement, ce mot dangereux. Joe, il me dérange parce que Longuepé, justement, s'en est servi dans son discours. Alors après, s'il y a eu des menaces et si ça a été le cas sur sa fille, je trouve ça lamentable. Et si c'est le cas, j'espère qu'il portera plainte. Mais quand il parle de la sécurité qui lui dit « Monsieur Longuepé, vous pouvez vous faire extraire à tout moment du stade à Bordeaux », ça, c'est faux. Ça, c'est se servir, justement, de la prétendue violence pour faire croire que les gens peuvent aller le chercher. Ça n'a jamais été vu à Bordeaux, que je sache, qu'on aille chercher un président dans la tribune. Moi, je me rappelle de Trio, en 2003, qui, au contraire, venait devant le virage sud, pour après un Bordeaux-Toulouse désastreux, où on avait perdu, pour dire « on va essayer de réagir et compagnie ». Mais c'est lui qui venait devant la tribune. En fait, il n'y a jamais eu de violence envers des joueurs, envers des présidents ou quoi que ce soit. Enfin, moi, je ne m'en rappelle pas, en tout cas, des gestes de violence. Vous vous rappelez ça? Non, jamais. Non, mais il n'est pas question d'en avoir, de toute façon. Donc, il ne faut pas s'en servir. Oui, mais eux, si tu veux, dans leur discours, et c'est ce qu'il a dit un petit peu, Longuepé, et moi, ça m'a choqué, tu vois, c'est aussi de la communication. C'est-à-dire de dire, attention, monsieur le président, on peut vous extraire du stade. Non, il faut arrêter de nous prendre pour des cons, tu vois. Oui. Autant sa fille, si ça a été vrai, les menaces, moi, j'accepte, et c'est bien qu'il en parle. Il aurait dû porter plainte pour moi, parce qu'on n'a pas à menacer un enfant et tout, et ça ne va pas se faire. Mais il ne faut pas non plus jouer sur les mots en disant le public de Bordeaux, il peut être violent, parce que c'est pas la réalité. Quand tu connais le foot, tu connais le public de Bordeaux quand même, tu sais très bien que c'est pas le public le plus dangereux du monde, faut arrêter les conneries. Tu vois, franchement, Gino, tu vas te réabonner, Gino? Oui, parce que moi je suivrai le club quoi qu'il arrive. Mais si tu veux, ces gens-là, il faut qu'ils partent. Et donc, il y aura des actions. Mais je pense que ces gens, ils ne peuvent pas rester, comme tu l'as dit, Nico. Et si jamais ils restent, je pense que les actions qui vont être menées, elles seront encore plus dures.
C'est-à-dire que moi, je pense qu'il y aura des trucs plus difficiles encore pour eux. Mais après, ça sera eux, si tu veux, même s'ils restent. Nous, on restera quand même pour le club. Hein. Nous, on sait que un jour, ils vont partir, ces gens-là. Nous, on sera toujours là. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis d'accord. Il ne faut pas qu'ils fassent plus de mal. C'est ça, le souci. Mais tu peux supporter. Tu ne fasses pas plus de mal. Tu peux aussi ne pas cautionner ce qui est fait, tout ce qu'on entend, et ne pas prendre ton abonnement et être toujours un supporter. Ouais, mais tu peux le faire différemment. Parce que imagine, personne ne vient plus au stade. Bah, qui fait qu'il perd aussi, c'est l'équipe, t'es d'accord avec moi. Donc il faut trouver le juste milieu. Ouais, faut trouver le juste milieu. Ouais. Bon, et si on parlait d'autre chose ? À moins que vous souhaitiez rajouter des choses, Flo, peut-être ? Ou avant moi, de conclure le sujet. Rajouter, voilà. J'ai été quand même assez surpris d'entendre, je crois, c'est la part de Frédéric Longuepée ou d'Anthony Thiodé, à apprendre que Nicolas Le Gardien est un ancien ultra, en sachant qu'il est natif de Brest, quand même, c'est quand même pas mal. Hein, franchement, sortir des punchlines pareil, je trouve que c'est vraiment très très fort. Et je voulais revenir très très brièvement sur ce qu'on apprend, comme quoi on était d'accord de récupérer un local au tout début du Hayan, et que soi-disant on avait accepté cette décision-là, et c'est complètement faux, quoi. Donc c'est incroyable de travestir la réalité comme ça. Et puis mais non, comme de toute manière, comme vous le dites tous, oui, il va falloir qu'ils partent maintenant. Comment peuvent, moi la question que je me pose là véritablement, comment peuvent-ils partir? Est-ce que par exemple Kings Ridge peut éjecter Anthony Thiodé et Frédéric Longuepée, en sachant qu'ils prennent pas tant de décisions que ça? Moi c'est là où je m'interroge sur le comment tu peux éjecter ces personnes-là qui font, c'est clair et net, par contre du mal au club dans tous les sens du terme, quoi. Je veux dire, oser dire des choses comme par exemple comme quoi Sud-Ouest c'était au courant par rapport aux banderoles qui ont été affichées à l'intérieur de la ville, et dire que les ultras et Sud-Ouest sont de mèche, mais c'est incroyable quand même de sortir des trucs comme ça. C'est hallucinant. Parce que beaucoup, moi, je rappellerai qu'on s'aperçoit qu'il y a, on l'a entendu de deux fois, hein, Frédéric Longuepée en zone mixte cette année. Deux fois, il a été obligé. Parce que sinon, il ne s'arrête pas. Parce que monsieur, je bombe le torse parce qu'il a fait un peu de gymnastique. Merci, quoi. Mais c'est incroyable, incroyable. Mais que ces gens-là partent le plus rapidement possible pour le bien de tout le monde. Je pense que ça soit médias, supporters et autres, faut vite donner un petit coup de baguette magique et que ça s'en aille et qu'on n'entende plus parler de ces gens-là, et que surtout, comme l'a dit, je crois, Riolo, que ces gens-là ne retrouvent plus de postes, quoi. Parce que par exemple Anthony Thiodé qui retrouve des postes à tire-larigot, c'est quand même sacré fantastique, ça aussi. Et qui pour remplacer au poste de président? Parce que là il faut trouver un président déjà. Qui prend, alors King Street c'est une entité, donc on ne sait pas quel est l'homme qui prendra cette décision. Certainement ils seront plusieurs, mais qui pour remplacer? Vous avez des suggestions? Il y en a qui partent de moi, retour de Stéphane Gino. Gino. Non, pas du tout, non. Voilà. Ouais. Après, il y avait beaucoup de questions et d'inquiétudes sur possible dépôt de bilan, rétrogradation, la DNCG, mais ça sera l'occasion d'autres émissions. Ouais. Hein. On aura le temps d'en parler lundi notamment, hein, parce que les possibilités et les scénarios sont nombreux. Voilà. Bon, Gino, si je peux prendre la parole. Oui, vas-y, vas-y. Parce que voilà, comme vous avez dit, une seule solution, il faut qu'il parte. Mais moi, je voudrais vite fait, si c'est possible, connaître votre opinion sur Bruno Fiévet. Parce que je l'ai vu plusieurs fois dans les médias, son interview. Aussi, j'ai une possibilité d'échanger un peu avec lui. Donc voilà, il est quand même un vrai passionné des Girondins. Mais j'ai entendu parler parmi les fans de Bordeaux, voilà, que il n'est pas sérieux parce que voilà, il parle avec la presse, tout ça. Donc si vous pouvez vite fait me donner votre opinion sur Fiévet. Qui c'est qui veut commencer? Je commence. Bref, il a un projet, il n'a pas de fonds propres, donc c'est un peu l'inquiétude de son projet, c'est qu'il n'a pas beaucoup de fonds propres. Tout vient d'investisseurs et d'une multitude d'investisseurs et d'un emprunt. Après, c'est un amoureux des Girondins, ça c'est sûr. Il aime le club, il aime les Girondins, il a envie de bien faire pour les Girondins. Mais ça sera pas pire que maintenant, non? Donc, c'est, si vous pouvez choisir... C'est ce qu'on disait avec M6, hein?
C'est ce qu'on disait avec M6, on disait que ça pouvait pas être pire qu'avec M6 à la fin. Ah, okay. Pourtant. Ouais, en fait, voilà, non, mais c'est un amoureux des Girondins, c'est sûr. Il a envie de faire quelque chose de bien. Et voilà, mais il y a, pour acheter le club, là, il y a 50 millions d'euros de dettes, hein, quand même. Hein. Donc, oui. Puis il y a ça, puis il y a juste un truc, c'est qu'on voit tellement d'incompétence aux Girondins maintenant. Il va falloir quand même prouver certaines choses pour venir aux Girondins maintenant, je pense. Est-ce qu'il peut être président avec King Street? La question se pose, hein. Flo? Putain, moi je trouve que son projet, honnêtement, est aussi brumeux que GACP. Ça c'est mon avis personnel. Après, tout ce qu'il a pu dire, que ça soit, je crois, à France Football, à Sud-Ouest, à France 3 Aquitaine aussi. Il veut faire du bien et redorer un petit peu le blason. Et je pense que là le blason on a plus que besoin, parce que là il saigne. On se demande quand est-ce que va s'arrêter l'hémorragie. Et donc voilà, moi je pense que honnêtement, pour en discuter avec certains confrères, je pense que dans tous les cas, il faut arrêter de penser peut-être que on va récupérer un investisseur qui ramène Bordeaux dans les places payées. Oui. C'est impossible. Quand on voit par exemple ce qui se passe aussi à l'Olympique de Marseille, c'est assez brumeux, obscur. Donc voilà, la preuve en est que les fonds d'investissement, je pense que c'est sans doute à bannir. Les Américains, c'est clairement à bannir. Et puis on verra pour la suite. Mais moi, Bruno Fievier, j'attends encore de voir, parce que je trouve que c'est des belles paroles, surtout. Oui, bah après, il est amoureux du club. Qui c'est qui veut réagir dessus? Je ne sais pas s'il y a d'autres réactions. Non, juste par contre, j'ai entendu dire aussi que la DNCG allait durcir les règles en plus. Oui, aujourd'hui, ils ont écrit au club. Ouais, il va être attentif. Ah, ils ont écrit au... C'est le moment, ils sont sympas. En pleine crise, tu te dis, ils vont être sympas. Non, ils écrivent au club, ils ont dit. J'ai pas compris, en fait. On sera encore plus. Alors, je sais pas si c'est maintenant. Oui. Ou est-ce qu'ils vont surveiller justement sur le long terme. Encore plus. Ils vont être. Les contrôles vont être encore plus drastiques, parce qu'ils estiment que les clubs doivent profiter de l'arrivée des droits télé pour consolider leurs fonds propres. Et si les clubs augmentent leur masse salariale, ils refuseront les comptes. Il faudra le justifier fortement. Donc voilà. Alors que les clubs, ça va nous coûter cher. Ouais. Alors que les clubs voulaient du soutien, mais finalement, ils ont eu le petit mail de la DNCG qui leur a dit attention, on va être encore plus dur qu'avant. Ouais. Donc, ouais, mais sur la suite, Nico, non? Ça sera sur la suite, parce que je pense que quand les clubs vont montrer leurs comptes, ils seront peut-être plus tranquilles quant à l'endettement, apparemment. C'est-à-dire que si par exemple tu as 60 millions d'euros d'endettement, ils laisseront un peu grâce à la crise, entre guillemets, ou à cause de la crise, ils laisseront un peu plus couler par rapport au taux d'endettement, apparemment, de ce qu'ils disaient. Les gars, le budget des Girondins, c'est 70-75 millions d'euros. Tu as 50 à 60 millions d'euros de déficit. Ça veut dire qu'ils ont un train de vie deux fois plus important que leur budget. Fou. C'est comme si toi, tu gagnes 2000 euros. Et t'as 1700 euros de découvert. Tu peux pas vivre. Ah non. La banque va C'est-à-dire que tu gagnes 2000 euros, mais tu vis avec 4000 euros, quoi. 3700 euros, quoi. Voilà, tu vis avec 3700 euros et tes 2000 euros. À un moment donné, on va te dire, écoutez, monsieur, là, il y a un problème. Hein. Après, attention. C'est pas du cas maintenant. Hein. Par rapport à ce déficit de 50-60 millions d'euros, moi, j'en avais eu écho dès le mois d'avril. Et il y a certains transferts qui n'ont pas été inclus dedans. Tu as le transfert, par exemple, de Jules Koundé qui n'est pas inclus dedans. Celui d'Aurélien Tchouaméni, c'est pareil. Donc voilà, après, moi, je suis content aussi que, par contre, pour revenir un peu à toutes ces investigations qu'il y a eu ces derniers jours, je suis content qu'enfin, on sache intégralement ce qu'il y avait dans ce dossier à Rémi Houdin. Moi, j'en avais eu connaissance il y a quelques mois déjà, et je trouvais ça quand même assez ahurissant que l'agent de Paulo Sousa mette la main à la poche. Ça j'avais trouvé ça hallucinant en début d'année. C'était limite lunaire pour moi. J'avais du mal à comprendre. Ouais, mais il aura quand même, on peut noter qu'il aura fallu toutes ces investigations pour qu'on en parle beaucoup. Et même son pourcentage qui avait été cité par l'équipe en début de saison l'année dernière, hein, son pourcentage sur les ventes, on dirait qu'on l'apprend là aujourd'hui. Mais non, oui, non, j'ai du mal à comprendre. Parce que ça, on le sait depuis un an qu'il y a eu ce pourcentage-là. Oui, oui. Voilà. Donc, Je ne sais pas, parce qu'apparemment, il y avait une histoire comme quoi finalement le contrat n'avait pas été homologué avec la clause, justement.
T'as vu une contre-histoire où on te racontait que ce contrat n'avait pas été validé. Mais si, quand tu vois le transfert d'Oudin pour 10 millions d'euros avec l'agent du joueur qui va là, tu sais très bien que c'est pour forcer les Girondins à vendre derrière. Ouais, mais au vu des magouilles qu'il y a, ça a dû passer en sous-marin, cette histoire de pourcentage. Oui, plus, ils le font de manière indirecte. Bon, on n'a pas de preuve de ça. Hein. Bon, allez, on va passer à notre supporter depuis l'étranger. C'est Marcine. C'est comme ça qu'on dit, Marcine, ton prénom? C'est Marcine qu'on prend. Marcine. Bon, parfait. Tu veux rester avec nous, Gino, ou on te laisse? Allez, ouais, je reste avec vous. Voilà, donc Marcine, mais présente-nous. Je redis, tu vis en Écosse, tu es de nationalité polonaise et tu supportes les Girondins. Comment ça t'est arrivé, ça? Donc moi, à l'époque, c'était il y a déjà 13 ans, je faisais mes études en Pologne. C'était la langue française. En France, ça s'appelle français langue étrangère. Donc, après avoir passé ma licence, j'ai eu une opportunité d'aller à Bordeaux pour faire une année de mes études. Voilà, à Bordeaux. Donc, voilà, je suis parti à Bordeaux. 6 mois avant, c'était encore en Pologne, j'ai fait la connaissance avec un cuisinier français. J'étais son interprète de langue française pendant une semaine de la département de Gironde, en Pologne. Donc, on a sympathisé et puis il m'a invité pour passer les vacances chez lui. C'est au Médoc, petit village qui s'appelle Vendais-Montalivet. Ah oui, il y a des nudistes là-bas. voilà, donc... voilà, puis je suis parti faire mes études. Oui. J'ai commencé à rencontrer des gens. Tu sais, mon premier match, c'était en mars 2008. C'était contre PSG, 3-0. Ouais, super. Ouais, voilà, on commence bien. Ouais, je suis bien tombé. Avec Wendell. Patrick, voilà. Voilà, mon histoire, c'est comme ça. Et puis... j'ai fini mes études à Bordeaux, je suis rentré en Pologne, mais chaque vacances d'été, je partais chez Laurent, voilà, le cuisinier, pour travailler un peu, pour gagner des sous pour la vie. Et mon amour, en rentrant en Pologne, j'ai gardé mon amour pour les Girondins. J'ai regardé les matchs, tout ça. J'étais content quand Obraniak est venu. Même, voilà, Obraniak, il n'est pas à 100% polonais, mais quand même, c'est une petite partie de la Pologne à Bordeaux. Ensuite, Levchuk, mais vous n'avez pas une bonne impression sur lui. Donc, je suis venu en Écosse il y a 4 ans pour commencer la nouvelle vie avec ma famille, parce que j'ai une femme, deux filles aussi. Très bien. Donc, c'était il y a 2 ans, en 2018, j'ai décidé de montrer tout ça, la ville de Bordeaux, à ma famille. Donc, on est parti là-bas. C'était par hasard, c'était aussi le jour du match contre Copenhagen à l'Europa League. Donc, moi, je suis parti, je suis allé pour voir le match. C'était mon premier apparence en nouvel stade. Mon but atlantique, on a perdu 1-2, malheureusement. Mm. Donc voilà. Après 7 jours à Bordeaux, il y a 2 ans, je me suis dit pourquoi pas de faire un truc. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de créer le compte Twitter qui s'appelle Girondin Polska, Girondin Pologne. Voilà, où j'essaie de transmettre toutes les informations concernant le Girondin en polonais. Comme vous pouvez imaginer, les Girondins ne sont pas. Je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas très connus en Pologne. Tout le monde connaît le Girondin de Bordeaux. Mais si tu demandes un truc sur le Girondin, personne ne répondra. En plus, depuis la dernière saison, Ligue 1 n'est pas diffusée en Pologne parce que les droits sont trop chers par rapport à la qualité de Ligue 1. Donc, étonnant. Ouais, c'est très étonnant. Mais j'ai vu que c'est... Parce que le prix était trop élevé à cause de Neymar, tout ça, parce qu'il exige trop d'argent pour les matchs de Ligue 1. Et apparemment, l'audience n'était pas trop élevée. Donc, depuis la saison dernière, Ligue 1 n'est pas diffusée. Par contre, ils ont décidé, en Pologne, ils ont décidé de diffuser la Coupe de France.
j'étais trop content parce que voilà, pour mon compte Twitter et puis le fanpage sur Facebook, voilà, je pu dire aux supporters, voilà, vous pouvez regarder le match des Girondins à la télé, tout ça. Donc, c'était il y a 2 ans, on a perdu contre peut-être, je suis pas sûr, c'était Dijon, je pense. Donc, le premier match des Girondins en Coupe de France diffusé en Pologne, les Girondins perdent. C'était la même chose cette année. On a perdu contre Pau. Donc, le match était diffusé en Pologne. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'écrive sur mon fanpage après le match comme ça, tu vois? Donc, pour moi, c'est difficile de faire venir des gens. Mais quand même, il y a 1200 followers sur Facebook, plus que 500, à peu près 500 sur Twitter. Et j'ai aussi essayé de contacter le club pour me donner un coup de main. Le coup de main, j'ai demandé des autographes de Levchuk à l'époque. Ouais. Donc, je n'ai aucune réponse. Pas du tout. Et c'était la même histoire avec les autographes de Kalou, les trucs comme ça. Donc, je n'ai aucune réponse de club. Par contre, Monsieur Thiodet, il m'a répondu une seule fois. C'était juste après le Girondins et vous. Parce que je lui ai envoyé un mail, écoutez, moi, j'habite pas à Bordeaux, mais voilà, j'aime bien ce club. Donc, je lui présentais ma personne vite fait, en lui demandant, voilà, si c'est possible de coopérer. C'est juste le petit truc, tu vois, les autographes de Levchuk. La première question de mes fans sur fanpage sur Facebook, il me demande, voilà, est-ce que c'est possible que tu fasses un petit concours, voilà, avec les autographes de Levchuk. Donc, je pense pour les clubs professionnels que Bordeaux est, voilà, donc c'est faisable, non? Oui, ben oui. Bien sûr. Voilà, encore faudrait-il que Frédéric Longuepée connaisse Igor Levchuk, parce que pour la petite anecdote, il y a une époque où Bordeaux était sponsor avec une marque polonaise. Alors, je crois que c'est Jablonski, quelque chose. Non. Jablonski, c'est moi. C'est Wisniewski. Bordeaux avait un partenariat avec une marque polonaise. Donc voilà, il voulait faire en fait à l'époque un petit truc avec Igor Levchuk, etc. Mm-hmm. Et quelqu'un au club dit à Frédéric Longuepée, voilà, ça serait bien de faire ça avec cette marque polonaise là et avec Igor Levchuk. La première réponse de Frédéric Longuepée, c'est mais c'est qui Igor Levchuk? Il n'était même pas au courant que c'était un joueur de son club. C'est fantastique. Ouais, aussi, j'ai vu qu'il existe le programme ambassadeur, voilà, chez les Girondins. C'est un ami à moi qui m'a dit, écoute, il a le programme ambassadeur, essaye, envoie une mail, va voir qu'est-ce que tu peux faire. Donc voilà, pour l'instant, j'attends, ça fait, je sais pas, un an que j'attends pour la réponse. Juste. Tu n'en auras pas au bout d'un an. Pour la réponse générale, parce que je me suis dit, voilà, je suis polonais, voilà, j'aime les Girondins, pourquoi pas d'essayer de faire un bon truc, tu vois. Moi, je fais ça pour le plaisir, comme je vous ai dit. Moi, je travaille ici en Écosse, moi, j'ai ma famille, donc ça, c'est pas pour faire des sous, c'est juste pour faire plaisir aux gens, tu sais, aux gens, je pense, aux Polonais, tu vois, de présenter le club. Et là maintenant, depuis un petit moment, Qu'est-ce que je peux présenter de bon concernant Girondins de Bordeaux? Rien du tout. Ah ouais, comme tout le monde. Bon, bah, écoute, en tout cas, c'est sympa ton histoire. Ça fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir de voir supporter avec de l'envie. Tu as créé ton compte. Donc là, je l'ai partagé sur le chat, le compte Girondins Polska. Mais sur Facebook, vous êtes plus nombreux, hein, c'est ça? Oui. C'est 1200 à peu près. Donc. Si je peux ajouter, moi, je ne supporte aucun club polonais parce que moi, ici en Écosse, je travaille dans la Société des Paris Sportifs. D'accord. Donc moi, je suis en contact toujours, chaque jour avec les gens qui aiment le football. Voilà, ici en Écosse, c'est Celtic ou Rangers. Donc, les gens me demandent, voilà, c'est quoi ton club préféré? Tiens, moi, j'ai dit Girondins de Bordeaux. Tu sais, donc, ils sont un peu surpris, mais voilà, Bordeaux, c'est mon seul club que je supporte, à part de l'équipe nationale de la Pologne. Très bien. Voilà, j'essaie d'aller pour l'Euro 2016, la Coupe du Monde 2018. J'étais à Moscou, mais voilà, on a perdu.
Voilà, donc Bordeaux, c'est très important pour moi. Bordeaux comme un club, comme la vie, partout, quand je vois partout le nom Bordeaux dans la presse, à la télé polonaise, mon cœur bat deux fois plus vite, tu sais, parce que... Voilà. Et juste pour finir aussi, voilà, jusqu'à maintenant, je suis très attaché avec Bordeaux parce qu'actuellement, j'ai ma nièce qui est française. Et c'est la nièce d'un cuisinier que je connaissais. Et je suis leur parent. Donc, ça fait 9 ans, voilà, ils m'ont choisi comme le parrain. Donc, c'est pour ça qu'elle habite près de Bordeaux, à Saint-Laurent. Saint-Laurent du Médoc. Oui, tout à fait. Donc, voilà, mais à part de football, moi, je suis très attaché parce que, voilà, j'ai ma famille française qui est là-bas. À Bordeaux. Voilà. Bon, ben, c'est super. Écoute, je suis très content que tu sois avec nous. Ça fait plaisir. Écoute, je t'inviterai à revenir dans le talk. Voilà, avec un grand plaisir. D'ailleurs, je lance un appel, si vous aussi vous supportez les Girondins ailleurs dans le monde, ça nous intéresse aussi. Hein. Donc, contactez-nous et venez participer, nous raconter, comme l'a fait Marcine, sur votre expérience de supporter. Voilà, et partagez ça avec nous. Voilà, sur le chat, je vois que ça fait plaisir à beaucoup de monde. Gino, tu veux réagir à Marcine ? Je trouve ça génial que... On est des supporters du monde entier. On avait eu un supporter de l'Algérie aussi. Je passe un appel à Nico qu'on a eu dans le talk. C'est vrai. Comment il s'appelait Ouais, c'était super sympa aussi. J'aimerais bien qu'il rappelle d'ailleurs. C'était à LG. Et non, je trouve ça exceptionnel que des gens puissent s'identifier à notre club et puissent essayer de véhiculer nos valeurs, notre histoire avec leurs moyens, avec les réseaux sociaux notamment. Et je trouve que voilà, le club gagnerait aussi sur ce terrain-là. Être plus attentif à ses supporters qui essayent de faire des choses et faire avancer l'image du club à leur façon. Et souvent, c'est pas plus mal parce que c'est avec de la bonne volonté et pour moi, c'est quelque chose d'intéressant. Et donc, voilà, si le club pouvait un peu aussi sur ce terrain-là être meilleur, ça serait pas plus mal et ça ferait avancer un peu l'identité girondin un peu partout dans le monde. Et en tout cas, je l'encourage à continuer comme ça et j'espère qu'il pourra revoir des matchs des Girondins et pourquoi pas un jour en Écosse, si on va jouer contre un club écossais. En Coupe d'Europe, un jour peut-être. Autant que je sache, il y a, je sais pas, 10 ans ou plus que 10 ans, les Girondins, ils ont joué en Écosse à Edimbourg contre Hearts, non ? Ouais, Hearts of Middleton. Il y a beaucoup de gens qui parlent de ces matchs. Je pense que Hearts, ils ont gagné à Bordeaux, mais puis Bordeaux est venu ici, ils ont gagné 2-0, le truc comme ça, je ne me rappelle plus exactement, mais j'ai entendu parler de ça. Ouais, je salue Antoine, l'expat avec qui on avait fait des talks à l'époque, qui est en Irlande, lui. Écoute, je l'invite, Antoine, je t'invite à participer quand tu veux. Nelio, on va attaquer, il reste 2 minutes, les questions. Est-ce qu'il y avait des questions qui ont été posées par les internautes et les supporters? Alors déjà, il y a Drive qui fait dire que si Marcin veut un autographe de Levchuk, c'est possible, il en a un, il a l'air très sérieux. Et Nico, il veut que tu communiques ton adresse pour qu'il te l'envoie et ensuite que tu l'envoies à Marcin. Ok, mais il peut peut-être l'envoyer directement à Marcin. Non, il faut qu'ajouter quelque chose parce que moi, j'ai essayé de contacter Levchuk, j'ai trouvé sa femme sur Instagram, je lui ai écrit. Elle était très gentille. Elle m'a répondu, pas de problème, Igor va vous répondre, etc. Il n'a jamais répondu. Jamais. Ah, c'est pas... Ouais, bon. Aurélien Hudin qui est aux USA. Mais les gars, prenez contact sur Web Girondin, sur mon Twitter ou sur l'adresse Web Girondin. Je vous mets l'adresse dans le chat sur YouTube pour nous contacter. Drive aussi et je ferai la relation avec Marcine. Il y a un groupe de supporters girondins justement à Aberdeen, il me semble, qui était venu justement pour le dernier match à l'Escure. Ah bon ? Ah, je sais pas. Ouais, ils étaient tous en kit. En fait, les mecs venaient d'Aberdeen. Ils étaient 4 ou 5. Je sais pas comment ils sont devenus fans des Girondins, mais ils étaient là. Voilà. Ici à Edimbourg, moi, je suis seul Polonais qui supporte Bordeaux. Par contre, il y a, comme je vous ai dit avant le podcast, il y a aussi Johan. Bonjour Johan, voilà le Français qui habite à Edimbourg, voilà, supporter des Girondins, donc voilà, on échange toujours des messages à propos de Bordeaux, donc
je me sens pas sale ici. Tiens, il y a Christophe, il nous dit, moi, je ne suis pas à l'étranger, mais j'habite à Vesoul, en Franche-Comté. C'est Christophe. C'est pareil. C'est pas mal. Ouais. Il y a Manu qui nous dit, moi, j'ai un autographe de Ludo Obraniak pour Gino. C'est pas ton cousin, ça, Gino, qui est sur le chat, ça. C'est pas ton cousin, ça, Manu72. Ouais, si, ça doit être lui, c'est possible. Ouais, tu t'entends bien avec Ludo Obraniak. Je me rappelle un after là où j'avais écouté où il s'était vexé. Ouais, bon. Mais je le préfère maintenant, tu vois, Obraniak en ce moment. Ah, ben tiens, ça te plaît là, il va dans ton sens là. Ouais, un peu plus, ouais. Il remonte dans mon estime là. Ouais. Ça va mieux, ouais. Ok, d'autres questions plus sur les Girondins, Elio. Moi, j'ai une question pour Martin. Comment, justement, tu disais que, bon, c'est plus le cas maintenant, la Ligue 1 est plus diffusée en Pologne, mais justement, même en Écosse, comment est-ce que tu arrives à te réunir avec d'autres fans des Girondins polonais ou écossais pour regarder les matchs, ou est-ce que tu les regardes seul parce que, ben, finalement, ça court pas les rues, les supporters des Girondins à l'étranger? Pour être franc, moi, je regarde les matchs tout seul à la maison. Voilà. En fait, il y en a parmi les Écossais, il n'y en a pas beaucoup du monde qui s'occupe de Ligue 1. Ils sont si fous. Voilà, avec leur football, c'est vraiment la folie. Moi, je n'ai jamais vécu ça, comme je vis ici en Écosse. Donc, voilà, personne ne regarde de Ligue 1. Donc, moi, je regarde tout seul à la maison. Une fois, et voilà, on voulait aller avec Johan pour voir le match contre le PSG. Mais ici, c'était l'interdiction. Le match était à 4 heures l'après-midi, mais ici, en Grande-Bretagne, c'est l'interdiction de diffusion des matchs à cette heure-là. C'est juste pour pousser tous les gens pour aller au stade. Donc, oui, c'est vrai. Donc, généralement, je regarde ces matchs tout seul à la maison. Et voilà. Parfois, ma fille me rejoint. Juste une petite anecdote. Ma fille, elle a 6 ans. Elle ne sait pas parler français. Elle ne connaît rien en français. Une seule expression qu'elle connaisse, c'est pas les Bordeaux, mais longue paix, démission. Écoute, on va se quitter là-dessus. Donc, c'est sûr. Et une fois, moi, j'étais en train de regarder le match. Et c'était les Ultras qui chantaient longue paix, démission. Ma fille était à côté de moi. Elle m'a dit, papa, ils n'ont pas dit longue paix, démission. Et moi, j'ai dit oui. Et bien donc, ce que la fille de Marcine, qui est supporter des Girondins en Écosse, entend et connaît des Girondins, c'est longue épée d'émission. On va se quitter là-dessus. Ouais. Comme on dit, la vérité sort de la bouche des enfants. C'est pas une expression, attendez. C'est, pas ça. C'est génial. Voilà. Bon. Allez les gars, merci. Merci Gino, merci Marcy, Nelio, Flo merci à vous, ouais. Et Joe. Merci les gars, merci à tous qui étaient sur le chat. Le replay sera dispo d'ici 5 minutes sur YouTube, ça va très vite. Rendez-vous lundi, on continue à partager ensemble la passion sur les Girondins. Bye bye, ciao. Bye bye. Bonsoir à vous. Salut à tous.